Du coup, j'ai fait le cauchemar, qui est un cauchemar. Hein. On va essayer la chambre. Clancy se réveille dans les draps couverts de moisissures, attaché au lit d'une chambre lugubre. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Cette femme l'a attrapée et elle est bien décidée à lui faire goûter au plat nauséabonde qu'elle a mijoté. Ah non, mais la mère, elle est dégueulasse! La madré Baker, elle est dégueulasse. Bien dormi, mon grand. La petite t'aime beaucoup, tu sais. Elle veut que tu sois son grand frère. Et je sais que tu meurs d'envie de la voir. Mais chaque chose en son temps. Si tu veux faire partie de la famille, tu dois manger comme la famille. On a vu ta gueule. Ça sent bon, n'est-ce pas? Oh. Allez, mange pour ça. Faut avoir l'estomac accroché, hein. L'un des nôtres. Je t'enlèverai ces trucs et tu pourras sortir jouer. Mais d'abord, tu dois tout manger. Non, rien qu'à sa gueule. Sérieusement, rien qu'à sa gueule. Je touche pas à ça. Ça pue la merde! J'ai passé la journée à préparer ça, espèce d'ingrat! J'ai mis tout mon amour! Je ne les connaissais pas, ces DLC. Bah, moi non plus. Moi non plus, je connaissais pas ces jeux. Là, je découvre. Je dois faire quelque chose. Ah oui, pour la cuillère. Je ne pense pas que tu aies donné la bonne réponse. Bah non, il aurait fallu que je bouffe la bonne réponse. Mais jamais de la vie, j'aurais bouffé. Hein. Genre, c'était aussi simple. Ok, là j'ai un code à avoir. Non, par contre, j'ai le jeu qui est super sombre. Attendez. Affichage. Parce que vraiment, je vois R. Ah, merci, là on voit. Je sais que normalement, il faut que je mette la luminosité au plus bas. Mais là, vraiment, je vois rien. Ah mais non, mais je pensais pas que t'allais voir. Je pensais pas qu'il allait manger ce con, je pensais qu'il allait juste poser la cuillère dedans. Et du coup ça m'a blessé. Oh, mais espèce d'abruti. D'autres moyens de sortir d'ici. Bah oui, bah il y a un truc là. Il y a pitié pour un code. Faut trouver le code. Et le code. Je dois le trouver dans la chambre. Par contre, en fait, j'ai trop monté la luminosité. Affichage. Que ce soit quand même agréable pour tout le monde.
Ah ouais, non. Bah attendez, hein. Je triche. On va essayer comme ça. Ouais, non, non, c'est pas possible, je peux pas. Standard. Ce que je veux bien, mais moi, si je vois rien, je porte déjà des lunettes. Attends. Il y a un trou dans le mur. Je n'ai pas regardé à travers le trou. Faut faire quoi? Au pire, faut que je mange devant elle. Si vous avez une suggestion, je prends. Littéralement, j'ai approché de tout. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Au secours. Cette porte-là, elle est fermée. D'accord. Cette porte-là, elle est fermée. Mais il y a carrément un putain de cadenas avec un code. Donc j'imagine qu'il faut que je trouve le code. Mais je peux même pas prendre le cadenas dans mes mains en fait. Donc sortir de la chambre. Bah je veux bien qu'elle t'aide Nobius. Sortir de la chambre. Mais comment est-ce que je sors de la chambre? Oui, Yuna, j'ai mangé. Fallait que je récupère sa putain de lanterne pour toucher à ça. La même heure que sur toutes les autres horloges. Attends, ouais.
Ça, si je tire dessus, ça va rameuter l'autre. Ça va rameuter l'autre. Charmant. Il faudrait une flamme plus vive. Je peux pas toucher à ça. C'était quoi ce bruit? Il faut pas qu'elle voie que j'ai quitté le lit. Tout ce vacarme. D'accord, ok. Donc c'est bien ça, elle va revenir dans la chambre, il faut que je retourne dans le lit à chaque fois. Un peu, mon garçon. Cette lanterne est à moi, à moi. Voilà ce que tu mérites. Non, non, non. Je serai sage. Je serai sage. Non, non. Je vais voir. Ouais, c'est la mort. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Elle est vénère, la dame. Ah ouais, non, mais de ouf. Puis, elle est dégueulasse. Fallait remettre la lanterne en place. Bah, j'ai voulu la remettre en place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Lorsque vous déplacez quelque chose... J'ai pas eu le temps de finir de lire. Je dois faire quelque chose. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Mais en gros, ouais, faut que je remette précisément tout à sa place à chaque fois, quoi. Ok. Ah, je peux même remettre ça. Mais écoute. Ça. Chut, chut, chut.
ce bruit. Il faut pas qu'elle voie que j'ai quitté le lit. J'ai pas touché à ça et j'ai remis la lanterne. On va essayer comme ça. Non, le briquet, il est dans un pot, je l'ai sur moi. Le briquet, j'en ai besoin. C'est comme le truc que j'ai pris dans la lanterne là, enfin dans l'horloge là, que j'ai pris pour ouvrir la grosse là-bas. Je pense que ça, elle le voit pas. Que les trucs qui sont discrets comme ça, je pense pas qu'elle les voyait. Que les trucs obvious, genre sa lanterne. Que j'avais retiré. Je pense que ça, ouais. Mais le reste, non. C'est trop petit, je pense. Marguerite, encore en train de t'occuper de ce garçon. Je t'ai dit de t'en débarrasser. On a assez d'hommes dans cette baraque. Et toi, Jack, tu lui fais peur. Et tu oublies que notre petite fille a insisté pour qu'il reste. Alors ferme-la. Répète ça. Tout ça, c'est ta faute. Sale briseur de ménage! Marguerite! Marguerite! Je suis désolé, ma chérie. Je l'ai pas. Tu sais que je t'aime. Oh, Jack. Pardonne-moi. D'accord. Ça va, je te prie. Allez, viens. Vous êtes en train de me dire que d'un frais à un autre, j'ai tout qui change. Merde, merde. Ah, ou alors, au début c'est facile, je retourne dans le lit, mais il y a la scène avec Marguerite, et ça me fait un checkpoint, sauf qu'à chaque fois que Marguerite vient me voir dans la chambre, ça augmente la difficulté pour que je sorte de la chambre. Genre là, pour me libérer du lit, il a fallu que cette fois-ci j'utilise la cuillère pour dévisser le truc, pour libérer mon deuxième poignet.
Attends. Non, ok. On dirait une clé. Regardez-moi ça. À quoi peut me servir l'aiguille? Attends, parce qu'il y a encore le truc de l'heure. Midi 5. Ok. Ah oh putain, mais j'ai le tiroir. C'est encore toi, Lucas. Je t'ai déjà demandé de faire moins de bruit. À chaque fois, j'ai une minute pour tout remettre correctement. Dès qu'elle commence à dire ou à parler, dès qu'on commence à l'entendre, ok. Mais il faut se rappeler à chaque fois de où est où, qu'est-ce qu'il faut refaire, quoi. Oh putain, elle me ramène à bouffer. J'ai pas touché au plat. Oh, elle ramène un truc de feu, je vais pouvoir brûler les araignées, je pense. Hein? Est-ce que quelqu'un est entré ici? Oh, il y a quelque chose qui cloche. Ce tiroir ne s'est pas ouvert tout seul. Espèce de sale petit menteur. Faut vraiment que je me fasse tout nickel, quoi.
Ou alors ça passe, elle m'a pas tué? Me mets pas encore plus en colère! Oh, ça passe! Donc oui, donc les petits trucs, ça passe, mais quand c'est vraiment trop obvious... Oh, où est-ce qu'elle a appris à cuisiner? Ok, il y a un serpent sur la fourchette. Ah mais là, elle m'a pas vomi dessus, elle m'a envoyé ses putains de bestiaux à la gueule. Donne-moi la lanterne. Ok, donc le tiroir, il est de nouveau fermé. Ça, j'ai remis, ça, j'en ai plus besoin parce que j'ai eu l'aiguille. L'aiguille, c'est ça. Maintenant, est-ce que là... Ah, ça m'a remis les tableaux. Ou c'est moi qui ai remis les tableaux? Ça peut... Pomme. Serpent. Non, ça serait pomme, serpent. Parce que j'ai commencé par avoir la cuillère. Maintenant, j'ai la fourchette. Sur la cuillère, il y a la pomme. Sur la fourchette, il y a le serpent. Donc, en toute logique. Eh ben non, ma logique, c'est de la merde. Ma logique, c'est de la merde. À moins que je prenne dans l'autre sens. Ouais bah non, bah logique, c'est de la D. Je peux pas me soigner, j'ai rien pour me soigner. Il faudrait que je relise le document qu'il y a sous... Ah bah ça me l'a déplacé là. Au commencement, l'homme venu de l'ouest fut plongé dans les ténèbres par la mort. Au cours de son périple, il offrit sa chair en pâture à quatre bêtes. Lorsqu'il arriva en Orient, il brûla d'une passion ardente. Mmh. Ça m'aide pas. Parce que si je fais ça... Impossible à allumer sans combustible. Ah.
Impossible d'allumer sans combustible. Mais j'ai pas de combustible. Hein. Non, Yuna, je peux pas. Il faut une flamme plus vive. Du coup, bah la flamme plus vive, c'est avec ça, mais hop, utiliser un objet. Je peux pas. Oui, Yuna, j'ai essayé la lanterne. Allume la bougie là où il y a le bouquin. Je peux pas. Ça me... J'ai rien qui me... J'ai aucune interaction possible. Hein. Parce que quand j'ai une interaction possible, j'ai ces icônes-là. Là. Et là, j'ai rien du tout. Je vais reprendre le réchaud parce que sinon je vais oublier. Puis si j'oublie le réchaud. Ah ah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vous. Ah, c'est le corps d'une souris, mais c'est dégueulasse, hein! Petite, ouais, c'est vous, j'ai un combustible! Ouais, bien sûr, bien sûr. Houston, faut faire quoi? Parce que je suis à deux doigts de faire exprès de faire du bruit pour que mes mères Jacqueline elles se ramènent quoi. Est-ce que je peux même pas ramasser un truc de bois là? En soi, tant que je fais pas de bruit, elle vient pas à l'autre. Le rat mort, c'est pas le symbole du can. Pas con, je peux essayer. Et ça serait le fœtus. Du coup, si je fais ça, ça et ça. Bah non. Si là, je mets la pomme. Là, je mets le fœtus. Mais le pire, c'est que j'ai déjà essayé toutes les combinaisons, quoi.
Il doit y avoir un truc à faire avec le... avec ça, là. C'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux pas utiliser, ça me montre que le rat comme ça. Je peux pas utiliser d'objet quoi que ce soit. Ouais, donc pour aller sous le lit, faut que j'ouvre la porte, faut que j'ai le code. Et je pense que pour ouvrir la porte, je vais avoir besoin, il me faut quelque chose pour brûler les connasses là. Je peux pas toucher à ça. Attends de Marguerite. Non, non, non. Putain, je croyais que je pouvais re... Ah, mais si, putain, je sais c'est quoi le combustible. C'est là où je pose la lanterne. Bois de chêne, je l'ai eu tout à l'heure en plus. Le temps que ça... Oh lolo. Le temps que j'ai l'éclair de génie. Bon, par contre, est-ce que elle vient ou pas? J'ai pas l'impression. Vas-y, ressors de là. Bah non, est fixé au mur par un morceau de liège. Du coup, bah non, putain, c'est
C'est le tire-bouchon qu'il me faut là, mais comment... C'est quoi le combustible, du coup, si c'est pas ça? Parce que pour avoir ça, il faut que j'ai ça. Mais pour avoir ça, il me faut un combustible. C'est quoi mon combustible? Littéralement, mon combustible, c'est quoi? Ça. Je comprends pas. Non, je m'en fous, ferme le tiroir. Je peux pas utiliser la fourchette, Yuna. Thank you.
tu ouvres le tiroir et tu dépenses. Ouais, mais ça fait du bruit d'ouvrir le tiroir. Là, tu vois? Ce tiroir-là, ça sert à rien. Et je vais me bouffer une tatane pour rien à cause de ça. Il est coincé. Vraiment, j'ai aucune idée. Ouais, littéralement, ça me donne rien. Ça m'a donné que l'aiguille. Mais après, il y a ça, là, ici, là. La direction, là, du nord. Peut-être tu déconses le tiroir bloqué. Bah je peux pas, Yuna. C'était quoi déjà l'énigme qui était sur le papier près du lit? Au commencement, l'homme venu de l'ouest fut plongé dans les ténèbres par la mort. Au cours de son périple, il offrit sa chair en pâture à quatre bêtes. Lorsqu'il arriva en Orient, il brûla d'une passion ardente. C'est l'énigme pour ça. Il offrit sa chair. C'est l'ordre des tableaux. Tu penses? Tu penses que c'est ça? Oh oui! Donc attends, ça du coup c'est le dernier. Donc il vient là. Les yeux bandés là. Et au milieu, ça. Merci Marie. Trèfle. Mais j'ai l'ordre là, du coup c'est serpent. Attends, serpent. Ça et pomme. Donc attends. Je vais récupérer ça tout de suite. Hop. Voilà, ça, ni vu ni connu.
D'accord. Ça, je peux toujours rien en faire. Je vais prendre le réchaud. Parce que maintenant, il faut que je trouve de quoi... qu'est-ce qu'il me faut pour faire le... Combustible. Yes. Vas-y. Ou alors, attends, il faut d'abord que, j'aime pas quand ça fait ça, que je fusionne ça et ça. Oui. Bingo. Du coup, vas-y, pose, utilise un objet, briquet. Je dois retourner au lit. Elle va juste pouvoir me casser les couilles par rapport au tiroir. Ça ne m'amuse pas du tout. Normalement, elle me casse les cacahuètes que pour le tiroir. Attends un peu, mon garçon. Ce tiroir ne s'est pas ouvert tout seul. Tu me déçois, Clancy. Tu es sorti de ton lit, pas vrai, espèce de petit merdeux. Comment tu t'es détaché? Non, je te jure. Et je suis censé te croire? Je sais parfaitement quand quelqu'un touche à mes affaires, sans ma permission. Non, c'était pas moi, c'était Lucas. Il était là il y a une minute. Lucas? Oh, Lucas, je croyais lui avoir dit d'attendre son tour pour jouer avec toi. C'est bon? Eh, me faites pas un screamer comme quoi elle revient et je vais hurler dans tous les sens, hein. Putain, mais c'est ça, d'accord, en fait, c'est le visage, là. Donc, va falloir que je récupère les deux, quoi qu'il arrive. Le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main. Bah, il me faut quoi?
Il va me falloir le couteau. Janvier, Marguerite est vraiment sur les nerfs ces derniers temps. J'arrive encore à la contrôler quand elle hurle, mais quand elle reste silencieuse, c'est là qu'il faut vraiment se méfier. Et lorsqu'elle est comme ça, il suffit d'un mot de travers pour qu'elle pète les plombs. La seule chose à faire, c'est de la boucler en attendant que ça passe. 28 janvier, tout ce que Marguerite a fait, c'est hausser un peu le ton, mais il a fallu que cette idiote de Zoé sorte un couteau de derrière la commode et menace sa mère avec. Si ça se trouve, elle en planque d'autres ailleurs. Je ferais bien de vérifier derrière chaque meuble de la maison. D'accord, donc il y a un couteau à récupérer derrière un meuble. Il peut y avoir un petit couteau à récupérer. J'aime pas beaucoup ce que je viens d'entendre là. Mais là, pas du tout. Y a quelqu'un ? D'accord, j'arrive pas à fermer la porte. Où brise mon coutel? Là, je dois trouver un couteau. Et d'après la note, c'est derrière un meuble. Je suis pas à tout de suite, quand même. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Toi, tu sers toujours à R. Mais là, littéralement, pour pouvoir avancer, j'ai pas le choix. Il me faut le couteau. Il me faut le couteau pour ouvrir ça. Oh putain, j'avais pas vu ça. Encore ? Non, quand même pas le go qu'à ce point-là.
Et pourquoi tu ne fous pas la partie du haut là qui est accessible? Que pour ouvrir ça, faut que je fasse l'énigme du tableau. Littéralement comme ça. Ouais. Où est-ce que je peux avoir le couteau? Qu'est-ce qui peut me servir? Ou alors faut que j'attende un troisième repas pour avoir le couteau? Non, ça me paraîtrait trop. Ce serait trop obvious. Puis de toute façon, je sais pas comment faire du bruit là pour attirer de toute façon. Je veux pas m'en couper. Il est où ce putain de couteau? De derrière la commode. Ah putain, il est là. Alors que j'ai regardé je sais pas combien de fois ici. C'est juste que j'avais pas le bon angle. Couteau. Couteau.
D'accord. Ok. Attends. Ah. C'est un peu tendu, ça. Déjà, non, c'est dans ce sens-là. Oh, putain. Ah, c'est une galère son nom, ça. Donc j'ai les deux. Et putain, je suis confus après, maintenant faut que je remette la lanterne. Et il faut que j'utilise les deux trucs. Alors, attends un peu. Ah, je l'ai. Je le reprends et maintenant voilà, réussir à faire ça. Et comment? Parce que là, je suis niquée, je peux plus poser de la lanterne là-dessus. Je peux pas faire petit l'ombre ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire la tête du serpent ?
Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé quoi? Ça sert à rien que je l'utilise. Ça me déplace le lit. Ça sert strictement à R. J'aurais bien eu d'utiliser les cadavres de souris, mais je peux pas les ramasser. Je vais plus galérer sur le DLC que sur le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il me faut, bordel? J'ai beau retourner toute la pièce.
Tu peux les descendre, les portes latentes. Comment ça, les descendre? Quelles portes? Celle-là? Oh, je peux rien faire avec. Les trucs que tu as accrochés avec le liège. Ah, ça? Non, je peux rien faire. Je peux pas les séparer. Je peux pas les séparer, malheureusement. Je vois pas ce que je peux faire avec. Puis même, c'est beaucoup trop gros pour que... que je le fasse. Ça prend beaucoup trop de place. J'ai pensé aussi au réchaud, mais le réchaud, il est trop petit sur ce coup-là. Le réchaud, il est trop petit. Ouais. Que les tableaux, ça sert pas. Et la fourchette. Soit faut que je trouve plusieurs objets que je combine, ça me donne l'équivalent de la tête, la forme de la tête. Soit faut que je trouve directement ce qui me manque, quoi. Et j'ai fait toute la chambre encore, vraiment je vois pas. Ou alors vraiment, enfin je suis débile ou je suis aveugle, ce que vous voulez, mais Salut Kamel. Comment il va, le chameau? Le chameau a une trachéite. What? Traduction, Kamel, s'il te plaît.
Je vois pas ce que je peux prendre de plus. J'ai fait je sais pas combien de fois le tour de la chambre. J'ai une inflammation de la trachée. Oh! Ah ouais, donc vaut mieux que t'évites de parler, quoi. En gros, moins tu parles, mieux c'est, Kamel. Tu sais ce que tu peux combiner ou pas dans ton inventaire? Quand je vais dedans, ouais. Si j'ai pas le petit symbole avec le... avec la clé à molette, je peux combiner d'autres que je peux pas. Là par exemple ça le réchaud j'ai pu le combiner avec le combustible mais comme là du coup j'en ai plus besoin. Je suis allée SOS médecin hier soir, le doc m'a mis en arrêt mais je suis quand même allée au travail ce matin, je ne souhaite pas être mal vu que je commence à peine ma formation en alternance. Ah bah si Kamel, si t'es en arrêt respecte ton arrêt hein. Parce qu'après, il y a la sécu, elle peut t'emmerder avec ça.
C'est un arrêt de cette journée, je n'ai pas beaucoup travaillé, ma formatrice m'a ménagé. D'accord. Vraiment, je suis aveugle ou je suis teuteux, je vois pas. Vraiment, je vois pas. Sur ce coup-là, franchement, si là, s'il y a quelqu'un qui veut totalement spoil, allez-y. Parce que ça fait quoi, 20 minutes que je cherche, que je tourne en rond? Je vois pas ce qu'il faut. Là, ouais, je peux mettre la lanterne. Mais après... Utiliser respectivement la fourchette et la statuette en fer pour créer les ombres de la tête de serpent et la face de Médusa. Attends, faut que je réessaye là. Ah putain. C'est ce bout-là, en fait. Attends. Ce petit bout-là, la con, là. Là, là où il y a l'ombre du couteau. C'est ce putain de petit bout là-haut, là. C'est pas les quatre grandes trucs. C'est pas ça. C'est là où il y a la queue du serpent. C'est la putain de fourchette. C'est la fourchette depuis le début. Oh bordel. Ouais mais va... Voilà. Oh putain! Eh bah, donne-moi la fourchette. Oh! God. Allez, casse-toi!
Voilà, hop, 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 hop. Vite. Mais quoi? Cours, cours, cours. Vas-y, hop, hop. Allez, 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 allez. Ah, c'est pas là. Ça fait mal, la clé. Il va crève. Hop. En bonne et due forme. Je me tire. Cours, cours, Forest, cours. Merci Zéro pour le raid. Oh putain, la chambre, sortir de la chambre. Oh God. Merci Zéro pour ton raid. Bon, du coup ça va, si j'ai juste regardé un truc sur internet pour finir le DLC, ça va, ça va, ça va.